Coucou tout le monde et joyeuse fête de Pâques à tous pour ce lundi, c'est super, c'est Pâques aujourd'hui. Alors je souhaite un bon lundi 10 avril à tout le monde. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la fête de Pâques. Comment se fait-on que le jour de Pâques, on mange du chocolat? Alors tout simplement, avant le jour de Pâques, on offrait des œufs, mais pas du chocolat, hein, c'est pas des œufs en chocolat. C'était des vrais œufs de poule qu'on s'offrait le jour de Pâques. Et ben ensuite, il y a eu des chocolatiers qui, avec du cacao, ont pu découvrir le chocolat et se sont dit pourquoi pas créer des fritures de chocolat, des œufs en chocolat, des lapins, du chocolat. Et donc, pour la remémoration de Jésus-Christ pour les chrétiens et même les personnes athées, aujourd'hui, on aime fêter Pâques, tout simplement cacher les œufs de Pâques dans le jardin. Pour les enfants, ça les amuse, ils adorent ça. Et même nous, les adultes, on adore ça, hein, puisque vous regardez la vidéo et que ça vous intéresse, hein, de savoir pourquoi aujourd'hui on fête Pâques. Donc voilà un petit peu la petite explication du pourquoi aujourd'hui nous fêtons Pâques. Donc tout d'abord, joyeuse Pâques à tous et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête de Pâques. Aujourd'hui, donc, nous fêtons, si je retrouve l'affiche, le prénom Fulbert, qui est un prénom masculin. Oh, petit chat qui vient me voir. Donc, du coup, le prénom Fulbert, qui vient du germain folk, signifie le très doué et très rénommé. Les Fulbert sont très doués et puis ils sont très renommés. Voilà la petite signification du prénom du jour. J'espère que ça vous plaît. J'aurai besoin de vos avis les amis, j'aurai besoin la team que vous me dites tous. J'aimerais bien, pourquoi pas, me relancer dans des petites vidéos comme ça, une ou deux fois par semaine, pour parler un tout petit peu d'autre chose que unique. Mais on reste quand même dans le sujet, attention. Où l'on parle des événements et où on peut également parler des prénoms que nous fêtons tous les jours. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à me dire qu'est-ce que vous en pensez à travers vos réactions, vos cœurs, vos solidaires, vos pouces, mais également à travers vos commentaires. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela. Si je n'ai pas assez de réactions de votre part ou que même je n'en ai pas du tout, sachez que moi j'en percevrai de votre part que vous vous en foutez, tout simplement. Donc j'arrêterai, puisque tout simplement je ne suis pas rémunérée pour faire ce genre de vidéo. Et ma rémunération à moi et vos avis, c'est vos cœurs, c'est vos likes, c'est vos commentaires. Vous pouvez aimer une publication vous-même dans votre cœur, mais si vous ne la likez pas et vous la commentez pas, moi je peux pas le deviner mes anges. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. N'oubliez pas qu'on fête les Oula, j'ai oublié. C'est pas les Fernands, c'est les Fulbert. Voilà, n'oubliez pas qu'on fête les Fulbert aujourd'hui pour ce lundi 10 avril. Passez un très bon lundi. Donnez-moi vos petits avis sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous.